Endrick, effrayé par Mbappé, et pourrait partir du Real Madrid. L'histoire d'Endrick, ce jeune prodige brésilien de 18 ans, a tout pour captiver les foules. Originaire de Palmeiras, il a été l'objet d'un transfert retentissant au Real Madrid pour une somme colossale de 47 millions d'euros. Promis à un avenir radieux sous les couleurs du club le plus prestigieux du monde, il s'apprête à découvrir les rigueurs du football européen. Mais une ombre se profile déjà sur son chemin, celle de Kylian Mbappé. Le Real Madrid a frappé fort en s'offrant les services de Mbappé, l'une des plus grandes stars du football actuel. Avec cette arrivée, l'équipe merengue dispose désormais d'une ligne d'attaque redoutable où Endrick devra se battre pour trouver sa place. Pour un jeune joueur fraîchement débarqué du Brésil, la perspective de rivaliser avec des talents confirmés comme Vinicius, Rodrigo est déjà un défi de taille. Mais lorsqu'on ajoute à cela la présence d'un joueur de la trempe de Mbappé, la pression devient presque insoutenable. Endrick, malgré son immense potentiel, se retrouve donc dans une situation délicate. Le Real Madrid attend de lui qu'il fasse ses preuves, mais la concurrence est féroce. Carlo Ancelotti, l'entraîneur, devra jongler avec les égos et les attentes de chacun pour maintenir un équilibre dans cette équipe de stars. Face à cette situation, une question se pose. Endrick est-il prêt à affronter cette compétition dès sa première saison en Europe? Selon le site espagnol Fichajes, la réponse pourrait être non. Un prêt est à l'étude pour permettre aux jeunes Brésiliens de s'acclimater au football européen, loin de l'immense pression qui pèse sur les épaules des joueurs du Real Madrid. Et c'est le Real Valladolid, club présidé par la légende brésilienne Ronaldo, qui se serait manifesté pour accueillir Endrick. L'idée d'un prêt pourrait sembler surprenante, voire décevante, pour les supporters du Real Madrid. Après tout, des joueurs comme Rodrigo et Vinicius, eux aussi recrutés très jeunes, ont réussi à se développer au sein du club sans avoir besoin de s'exiler. Mais la situation d'Endrick est différente. Le spectre de Mbappé plane sur lui, rendant son intégration plus complexe. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, et Ronaldo, l'ancien attaquant légendaire, se réuniront pour discuter de l'avenir du jeune prodige. La décision qui en découlera sera cruciale pour la carrière d'Endrick. Partira-t-il en prêt pour accumuler de l'expérience et du temps de jeu, ou restera-t-il au Real Madrid pour se battre aux côtés des meilleurs? Le destin du joyau brésilien est en suspens, mais une chose est certaine, chaque étape de son parcours sera suivie avec attention par les fans du monde entier.